Apparemment, on m'entendait pas. Est-ce qu'on m'entend maintenant là? J'attends vos signes. Ah, bien joué. Ouais. Ah, le rythme de Rosé doit se mettre en place. Jeu de transition rapide. Et tout de suite, ça fait la différence. 7 à 4 pour Rosé. Ah, il y a un passé va tout simple qui est passé. Attention à la défense. Yes, merci à mon conseiller technique qui nous dit que le son c'est bon. Vous aurez raté le début du match. Avec Kim qui travaille, son vis-à-vis, voilà, qui va faire parler sa puissance. Allez, le match s'anime un petit peu. Ouais, bien, Kérine. Une nouvelle fois, on touche beaucoup de ballons sur la contestation des passes. Ouais, elles sont un peu en difficulté, les vertes, là. Ah, elles sont bien jouées sur le pick and roll. Ouais, ça rentre. Hop, hop, hop. Voilà, il y a eu sandwich merguez autour de Wulfat. Elles se sont télescopé les deux vertes l'une avec l'autre. J'espère qu'il n'y a pas trop eu de casse. Voilà, premier changement côté Equodin. Allez, ça essaie de mettre du rythme. Davina pour l'instant qui fait pas parler sa vitesse, sa pénétration. Voilà. Arzelen qui plante une banderie à 3 points. Elle était en échec depuis le début du match là. Elle se rassure sur son tir extérieur. La 15 qui se resitue. Ouais, bien Davina qui vient lui arracher la balle dans les mains. Et on coupe le jeu de transition. Une faute qui est sifflée par l'arbitre. Une nouvelle rotation chez les Verts. Sortie de la numéro 7, Chan-Marie Mason. Et rentrée de la numéro 4, Camille de Souza. Remise en jeu. Éclair-Lan. On essaie de trouver Kim à l'intérieur qui va travailler. Qui multiplie les feintes. Et qui. Termine par un petit hook ma gauche, bien joué. Main. On défend toujours en individuel là, du côté de Rosé. Et puis on va chercher la balle dans les mains. Et on fait le jeu de vitesse. Hop, Davina qui échappe, mais qui arrive à se resituer en récupérant la balle à une main et finir par un petit layup ma gauche. Et ça va déjà très vite ou trop vite pour le Hainaut. Avec 16 à 8, 16 points encaissés en 5 minutes, 6 minutes. Et on continue donc avec cette belle nouvelle, je vous annonce le retour, non pas du RBI, mais du DBI, d'Eperland Basket International, mesdames et messieurs. Grand tournoi, U18 International qui aura lieu le 31, le 1 et le 2 juin prochain. Mesdames et messieurs, donc on aura la Pologne, on aura la Tarte, on aura la Suède, on aura la Hongrie, on aura également l'équipe d'Angers, Landerneau, La Roche-sur-Yon et bien évidemment les Eperlandes. Applaudissements, mesdames et messieurs, pour tous les organisateurs qui travaillent pour vous produire ce tournoi. On recherche. Basket international. Je ne sais pas si vous avez entendu DJ Vince. Effectivement, le Rosé Basket relance un tournoi international de U18 avec 8 équipes inscrites à ce tournoi. Hormis Rosé, Landerneau, La Roche, Angers, la Hongrie, la Suède, la Pologne et Tarbes, voilà, c'est ça, exactement. Allez,
Allez, une nouvelle force de l'aide qui est pas très loin. Hop, ouais. Ah bah voilà, à force d'essayer, elle a réussi à intercepter. Mais alors heureusement que Codin a touché la balle, parce que sinon c'était aussi une contre-attaque, je pense qu'il allait au bout, parce que Davignon était parti. Allez, Ulfat qui garde le ballon, on va faire un pick and roll avec Kim. Hop, Arzelen, qui finit. 18-8 le score. Je pense que coach Tenay va commencer à être dans les rotations pour soulager ses joueuses majeures. Enfin, en tout cas, si le score reste aussi élevé. Voilà, Arzelen qui récupère la balle, qui pousse le ballon. Elle va sûrement sortir sur Davina qui tire à 3 points. Peut-être une extra passe là-dessus à faire. Hop là, attention, parce que ouais, il y a bien sifflé. Ulfat qui avait un peu joué de ses mains. Ah non, c'est Davina qui prend la faute. Un changement côté jaune. Emma qui fait son entrée en jeu avec Juliette à la place de Kérine et Ulfat. Quand même harceler le porteur de balle. Attention, on va sur le sort. Voilà, hésiter. Ouais. Ouais. Arzelen qui continue de grappiller au rebond. Hop, ouais, il y a un petit quelque chose. Elle avait sorti la femme du grand-père. qui marche toujours. Hein. Ouais, deuxième faute. Deuxième faute pour la numéro 15 verte. Hop, ça rentre. On s'est trompé. Allez, 20-8. Chercher la shooteuse. Hop, petit écart sur la shooteuse. Arzelen qui pousse. Ouf. Elle a décidé de mettre du rythme et prendre le match à son compte. Mettre de la vitesse, elle a passé toute l'équipe. Elle a des rotations. Voilà, on fait. Faire reposer les titulaires, hormis Lana qui pour l'instant et donc Kumba est rentré et Lana du coup aussi. Non, ça fait deux fois où je me plante. Wow. Un écran très costaud là sur Lana, mais elle s'est relevée. Ouais, bien défendu, ça défend debout. Pour Emma, Juliette, Lana, Emma nouvelle fois, ouais, qui trouve Kumba en tête de raquette, c'est bien fait, c'est dommage. Hop, et Arzelen, ouais, qui prend le rebond, qui tire à 3 points. Bon. Un café, l'addition, merci, au revoir. Alors, elle décide de tout faire, rebond offensif, rebond défensif, interception, tir à 3 points, lancer franc, enfin bref. Arzelen dans le texte. Hop, une faute. Ouais, bon, c'est
C'est gentillet comme faute là-dessus. Allez, Arzelen qui va aller. Voilà. C'est ça. Faire souffler les adversaires parce que. Alors, a vraiment fait la chanson. Et retour de Karim. Et numéro 7 sur la ligne. Ça rentre. Celui-là est court, mais avec le toucher, ça rentre aussi. Score de 25-10. Reste 1 minute 15 à jouer. Juliette qui attend la balle, tête des raquettes. On va chercher Kumba. Ressort sur Kérine, ressort sur Lana. Elle sera passe vers Emma. C'est super bien joué. Alors pour l'instant, c'est super huileux comme jeu. Très agréable à voir. Et le score enfle. On est déjà quasiment à 20 points au bout du premier quart. Deux points marqués là. Allez, 28 à 12. Kérin qui trouve Kumba. Qui ressort sur Lana, qui prend le tir à 3 points. Hop, dedans. Alors ça plie. Ça pleut partout les 3 points là. Coach Tonnet qui donne, on a une faute à donner donc il veut bien donner la faute. Non, par contre on ne sait pas. Alors, on cherche à l'intérieur, c'est bien joué. Voilà. Allez, 31-14, fin du premier quart-temps. Premier quart-temps qui a mis un peu de temps à démarrer mais une fois que c'était parti. La déferlante, on peut dire ça, la déferlante a malheureusement emporté une bonne partie de l'équipe des Caudins. Et en espérant qu'il y en ait pour Rosé d'autres déferlantes. Pour les Caudins, pas trop, parce que le score est déjà 31-14 en fin de premier quart. Donc ça risque d'être compliqué si le rythme reste à ce niveau. Début de deuxième quart. Ballon pour Rosé. Excusez-moi. Alors on veut chercher Kumba à l'intérieur. Hop, voilà. Oh, faute offensive. Ouais, faute offensive, elle va accrocher le bras, je pense, dans sa prise de position. Ouais, c'est un jeu très individuel là, du côté des Caudins, mais qui porte ses fruits parce qu'on obtient la faute. Et le panier accordé. Le toucher, ça rentre. 31-17, action à 3 points là, du côté des Caudins.
faire. Ah, on va chercher Kumba à l'intérieur. Ouais, ou... panier acrobatique. Hop là, allez. Oh, dommage. Elle rebond, il faut aller chercher la 4 verte qui se bat bien pour récupérer la balle. Une nouvelle possession pour Ecodin. Ah, je pique et roll, c'est bien joué. Ouais. Un peu trop naïf en défense là les déferlantes. Alors, on retombe dans un faux rythme. Il n'y a plus de vitesse. Ça, ça fait le jeu des vertes. Hein. Ils ont le temps de récupérer. Je vous rappelle, elles sont peu nombreuses. Allez, changement côté Ecodin. Intérieur qui revient. Numéro 15 qui remplace la 13. Allez, les supporters essaient de donner de la voix. Temps de possession mal géré. Ça fait deux. C'est un peu plus dur là depuis le deuxième. Allez Lana, c'est pas loin de l'interception. Ouais, portée de balle. Il faut vouloir la balle, Kumba, là, faut pas attendre qu'elle te tombe dans les mains, faut aller la chercher. Ça reste agressif du côté verte. Hein. Alors, on va chercher Kumba en bas. Allez, faut la monter ta balle. Viens chercher. Oh, dommage. Kérine qui s'était fait retrouver ligne de fond trouvée par Kumba et sur le jump shot moi j'ai vu un contre mais l'arbitre a décidé autrement, c'était une faute. Il y a 8 vertes qui prend sa deuxième faute et qui est coché. Allez, Kérine dans son franc. Ça rentre. Voilà, premier point de la deuxième du deuxième carton. Ouais, c'est pas mal aussi. Allez, les deux jumeaux. Avec le toucher, ça rentre. Oh là, défense assez haute de Emma. On a décidé de mettre un peu de rythme défensif. Allez Juliette, faut y aller aussi. Allez, Kumba, lève les bras, voilà bien, Kumba, ah. Allez, Kumba qui a pris un coup. Ouais. Le changement. Petit doigt dans l'œil. Allez, Kim qui est rentré, qui va tout de suite travailler son vis-à-vis. Voilà. J'ai pas prié, hein. Elle est pas là pour s'ennuyer sur le terrain. Elle veut tout de suite montrer qu'elle est dominante dans la raquette. Et dire à son vis-à-vis,
si tu défends pas, je vais t'en mettre plein la tête. Alors là, par contre, sur le 1 contre 1, on se fait complètement avoir. Le départ en dribble. Alors, attention, Kim, Emma. Ça ressort pour Lana. Et on va retrouver Kim en bas. Non. Ah oui, il y a une faute là sur la prise de position. La 4 qui essaie de contenir Kimberly. Hop. Hop là. Allez, Lana, 3 points. C'est pas droit. Un rebond de la numéro 28. Allez, Juliette qui fait la faute. Alors, on est retombé dans un faux rythme. C'est pas forcé, ça fait pas forcément le jeu de Rosé. Et un retour de Ulfat et de Davina pour redonner un peu de rythme, d'agressivité au niveau défensif. Et Juliette et Emma qui sont sortis. Alors attention à la sortie extérieure, le 3 points. Oups, ça fait gamelle. Bien, voilà Ulfat qui prend le rebond. Travailler. Oups, c'est dur. Allez, Ulfat qui récupère. Elle échappe le ballon, c'est dommage. Allez, Kim qui reste là sur la pression. Waouh, wow, c'est bien coupé les lignes de passe. Ouais, bien Kérine, super. Allez, faut aller au bout. Voilà. Alors Kim qui a fait le mur de Berlin là, pour éviter que la défense. Reviennent sur le ballon. Ah, une belle défense de Lana là sur l'extérieur. Alors c'est assez statique côté vert. Une seconde. Ah, terminé, bien défendu. Allez, retour d'Arzelaine à la place de Lana. Kim Dorley à la fin. Oh. Donc là, qui s'est fait littéralement écraser. Le petit avant-bras qui pousse au bon endroit, elle a perdu son équilibre. Ouais, bien, le rebond, Ulfat. Il prend les choses en main. Hop. Oh, qui va y aller toute seule. Hein. Ah, c'est dommage. Ah, il y a un petit quelque chose. Thank you.
supporters des Caudins sont toujours avec nous. Ah, voilà. Ils sont trois, les supporters des Caudins. Ils se font entendre, ils ont sorti la banderole. Voilà, deuxième rentre pour Ulfat. Extérieur, c'est raté, rebond de Kérin qui fait une belle moisson aussi. Hop là, dommage. Hop là, dommage. Lavina avait bien. Hop, attention. C'est bien joué ça. Ouais. On sent Guy Ashouteuse. On sent Guy Ashouteuse sur la numéro 5 verte. Elle s'est créé son tir en faisant sauter Kim. Il a décalé son appui pour réussir à prendre son tir extérieur à 3 points. Et ça fait ficelle, swish, hop, on trouve Kim en bas, voilà, bien joué, relation. Relation poste haut, poste bas, entre Kérin et Kim. Il commence à remplir aussi Kim sa musette de points. Ah, attention, alors, il fait la même chose. Ah, ouais, dommage. C'était bien joué parce qu'elle a fait exactement le même système. Là on cherchait encore le tir à 3 points. Ouais non, là, c'est, elle insiste un peu trop. Alors Zelen qui va au bout, hop c'est raté, elle n'a pas mis assez. Ouais, Kim qui touche la balle. Alors, c'est très stéréotypé pour l'instant le jeu. Hop, c'est bien joué. C'est très beaucoup, ça c'est très français aussi. C'est beaucoup de 1 contre 1. Comme la défense lâche un peu, ce qui est normal. On se retrouve avec des situations de 1 contre 1 assez simples. Voilà, bah, la même chose. Hein. Davina, c'est son jeu. Fait le tour de la raquette pour dire voilà, je suis parti de là et je vais vous mettre un panier de l'autre côté. Alors, il y a beaucoup de drip sur place. C'est assez stérile côté Caudin. On cherche une nouvelle fois la 5. Il n'y a personne à l'intérieur. Ils n'ont vraiment pas de point d'appui à l'intérieur. C'est un shoot extérieur. Bien joué. Et voilà, la circulation de balle se fait. Merci également à nos partenaires institutionnels, à Ville de Rosé, le département du CD44, la Ligue de la Cité. 46-30. Merci aux entreprises qui nous ont fait équipe depuis la première heure. Monument Hospital, le panorama restaurant, le depuis Immobilier, Chris Opti Garnier, Océane, à la fin des ateliers, le cinéma, Calicéo, Nifaco et Bruno Arpatio qui nous a présenté le match de ce soir. Supporters de l'école, on est toujours là, c'est l'équipe.
que le coup. Le coach de notre dernière consigne. J'espère que vous êtes en forme et que vous avez très très bien l'occasion de se supporter à Borosé. Est-ce que vous êtes toujours avec nous sur les Alors je viens de rallumer le casque pour savoir si on entend. C'est pas pratique finalement. Voilà, 3 points, numéro 13.
52-40. Ça descend, Ulfat, ouais, bien joué, le jeu en triangle. Oh là là, Kim qui mange la feuille. Ce petit lay-up ma gauche. Hop. Oh, qu'est-ce qu'il siffle là? Pied, ouais, bon. Attends. C'est bon le son? Ok. Alors il y a quelque chose que je dois pas bien faire quand je j'allume le casque. J'allume le casque, mais d'ailleurs le mute tout de suite. Ah, on s'est sifflé, alors les arbitres ont décidé de repartir sur une deuxième mi-temps avec beaucoup de coups de sifflet. Ah. Tire à 3 points de la 13 une nouvelle fois, boum, deuxième Mambry, et ça revient, ça revient. 52-43. On s'endort du côté de Rosé. Ulfat tire extérieur, rebond de Codin. Alors attention, parce que si on leur laisse des tirs à extérieur, des tirs à 3 points, ça a l'air d'être à droit. Hein, le numéro 13 là. Hop là, il était pas loin de mettre la troisième d'affilée. Allez, Ulfat. Davina, voilà. Ficelle dans le petit périmètre à 0 degré. Aïe, c'était bien joué, elle avait bien travaillé son vis-à-vis. Merci également à Intermarché Rosé de Lordière, Cristaline, Vendée Matériaux, Panneau Boutique, Active Travaux Rosé, Intersport à Basse-Goulaine et à Clisson, Astar Atlantique avec sa technologie Smell Air. Qui veut les t-shirts de l'Est, monsieur, ce soir? C'est lui, faites-moi un maximum de bruit. Voilà, bien Emma, agressif sur le porteur, oh, et puis ça siffle. Du côté des fautes, trois fautes côté Rosé, une faute pour côté Codin pour l'instant. Un numéro 13 à 3 points, hop là, gros écart, airball. Allez, Kim qui passe va, voilà, un petit passe va avec Arzelen, Jurema. Aïe, c'était, ça méritait quelque chose. Ah, c'est court, Kim. Hop là, Arzelen qui a senti le coup venir, et boum. En renard des surfaces. Ah, si tu lui offres sa main droite, ouais, forcément, ça va être plus simple. Deux points à numéro 8. Qui elle aussi font une belle prestation. J'aime beaucoup la joueuse. Le
C'était dans un contre 1. Hop là, par contre, elle s'est fait avoir par Kim. Kim qui va remettre dedans, ouais. 58-45. Le rythme est un peu plus faible qu'en première mi-temps pour le moment. Hop là, attention, Arzelen qui essaie de choper la balle. Bien protégé. On a un main. On appelle un écran. Enfin, ça va s'arrêter à 3 points. Voilà. Boum. Alors ça, c'est une vraie shooteuse. Ça dégaine très vite. C'est efficace. Arzelen qui veut faire la même chose. Faute offensive de Hulfat. Dans la pénalité. Ah bien, le rebond Hulfat. Ouais. Une qui travaille. Double cross. Une petite finition à droite, à gauche. Ressorti au numéro 13. Oh, alors après avoir mis ses deux premiers 3 points, 3 échecs d'affilée, celui-là était vraiment pas loin. Alors Kim, tête de raquette, va chercher Arzelen. Qui pénètre dans la raquette, il va chercher la faute et qui met le panier. Sans mort du côté Codin. Sur la ligne, c'est court. Juliette qui vient de faire son entrée prend le rebond. Et on donne tout de suite à Lana qui coupait et qui finit par un petit drop shoot en tête de raquette. Ah, pas assez de ballon. Ouh, ouais, on demande la VAR apparemment. Merci. Ça fait partie du jeu, mesdames et messieurs. L'arbitre a aussi trompé ici. Ah, bah, la balle est redonnée aux déferlantes.
Kim en bas. Qui ressort sur Davina, sur Juliette, tête de raquette. Hop, elle suit son tir. Elle prend son propre rebond, c'est assez rare. Sur un tir en 3 points, elle avait bien suivi son tir. Et avec sa vitesse, elle récupère la balle. Et puis, elle se retrouve sur la ligne des lancers francs. C'est bien joué. Changement côté Ekoda. Tire à 3 points. Oh, c'est tir un peu casse-croûte alors qu'il lui restait encore du temps. Hop là! Et au Stargame avec Arzelaine pour Davina. Belle passe dans le dos. Oups, oh. Allez, sortie je pense de Kim. Passe de Kumba. La balle est verte. Sortie d'équipe vers les pierres de son applaudissement et retour de Kumbasson sur la plus également un supporter de Rosé. Bon, une faute qui a été sifflée, personne n'a vu ça de l'arbitre. Court. La deuxième rentre. Au bout de l'écran. Oh là là, écran mobile. Voilà, ballon donné, ballon rendu tout de suite à Rosé. Une de fond. Hop là, c'est pour Bema. Oh. Côté vert, numéro 15 à 3 points, ça monte haut, c'est l'échec. Bien Juliette, c'est Arzelaine qui remet un coup de turbo pour Kumba qui prend tout de suite son tir. Ah, c'était bien joué pourtant. Hop, j'ai cru qu'Arzelaine allait récupérer une nouvelle fois. Allez, 50 secondes à jouer. De combat.
c'est franc marqué. Deux points. 68-51 le score. Pour l'instant, Rosé gère là dans ce troisième quart-temps. Il garde les 16 points d'avance, 15-16 points. Voilà. Sans pour autant se mettre en danger. Ah, Emma qui va aller au bout. Oh! Elle a bien pris la balle, hein, la numéro 15. Ouais. Là, je pense que c'est... Ouais. Super contre. Alors, c'est peut-être au niveau du corps. Hein. Ouais, Emma qui se met à son rythme pour lancer franc. Il restera 29 secondes sur le chrono. Il restera une possession pour les Deferlandes derrière. 2 à 2. 6 secondes. Hop, voilà, combat qui fait la faute. Je sais pas pourquoi, parce que ça donne 2 lancers francs. Ouais, elle avait envie de la faire. Écoute. Des fois, il y a des coups de sang comme ça. Quatrième faute, c'est pas forcément une bonne faute pour l'équipe et pour elle. Lancé franc est rentré. Le deuxième est court. Romain Juliette, 8 secondes sur la possession. Arzelen qui met le turbo, qui trouve Kumba, qui travaille. Oh. Coach Tonnet n'est pas content, ça n'est pas au bout là. 70-52, fin du troisième quart. Il reste 10 minutes. Bien clôturer ce match. Il doit être sourd, hein, je pense. Arzelen, Lana, Juliette, Emma et Kumba pour Rosé. Ça ressort à 3 points. 10 secondes. Juliette dans un fauteuil. Aïe, aïe, aïe. Emma récupère. Allez, Kumba va aller chercher son. Voilà, bien joué. Petit tir en course protégé là avec la planche. Ah,
Oh, ben là, on s'est pas entendu sur le pick and roll, et voilà. Enfin, sur le pick, il n'y a même pas eu de roll, parce qu'il n'y a même pas eu d'écran, en fait. Elles ont fait une feinte d'écran, et on s'est écarté. Ah, c'est trop... Ouais, Kumba qui récupère. Voilà. Il a rattrapé, Kumba. Alors attention sur le jeu d'écran, une nouvelle fois là, on passe au-dessus, en dessous. Alors ça floppe un peu. Ouh. Ah, ils ont décidé de sanctionner sur le jeu de. Sur le jeu d'écran là. On n'avait pas ajusté les minutes. Allez, Kumba une nouvelle fois en bas. On trouve Lana. Une petite faute. Bien trouvé l'intérieur là, sur les premières situations de ce quatrième carton. Elle trouve les bonnes. Hop, bah ouais, légère faute car Zelen qui veut trop aller chercher la balle. Attention à pas tomber trop dans la décadence de faute là, donner trop de faute parce que ça siffle bien. Pas que le jeu soit trop haché. Gauthier et sortez de la numéro 5, Justine Charbonnier. Ah, attention, ça va aller au panier. Ouais, bah voilà. Alors, Kumba qui va aller pouvoir prendre sa douche avec 5 fautes. Retour de Kim. Court et le ballon sera jaune. Lana, Kim, la récupère 3 secondes. Oh là 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 là. Là c'est arbitre time, hein, c'est refugee time. Parce que là, on voit plus les joueuses, on voit que les arbitres pour l'instant. Ça siffle. Hop là, attention, c'est tombé sur le pied. Ouh, il va y avoir une blessure. Ah, Emma, qui se stoppe, qui shoot, pas décisif de Lana. Hop là. Voilà.
Oh, si, c'est bon, ça arrive. Je sais qu'elle partait directement dans le décor, celle-ci. On va retrouver la 8 qui travaille. Elle a bien défendu. Elle récupère son rebond. C'est ressort pour la 15 à l'extérieur. 3 points. En airball. Sortie de la numéro 4, Camille de Souza. Le retour de la numéro 5, Justine Charbonnier. Rosé, ensemble. C'est fort. Attention à la position de Kim en bas, ouais. Bien, c'est sifflé une nouvelle fois. Va nous faire pleurer là. Avec moi pour un gros rejet ensemble. Avec Kim qui a fait le ménage, a bien joué, super passe. Emma, Juliette Salio. Entre deux. La balle sera pour Escaudin. M'assoupit légèrement parce que le rythme est vraiment descendu dans ce match. Hop là, ça rentre. Ouais. Ah, ballon passé, Karine, au travail. Ouais. Ça comptait beaucoup les déplacements loin du ballon. Les arbitres sont attentifs. Pas mort côté Sadin. Ça gueule. La musique est extrêmement forte dans la salle.
rallume mon instrument pour faire du son parce qu'il s'était éteint. Je rebondis Juliette qui donne, oula, qui donne sur Rose qui annonce système 0. Une patte à 3 points. Ah, c'est court. Enfin, c'est court. Ça tombe sur le cercle, ça rentre pas. C'est bon ? Là, je viens de le rallumer. Normalement, ça doit être bon au niveau du micro. Ah, c'est bon. Merci. Il y a 2,44 à jouer. Zelen, c'est court. Ulfat, nouvelle fois rebond off. Petit débac, c'est raté. Cette fois-ci, c'est un rebond défensif. Cinq secondes. Hop, c'est un échec, c'est bien poussé par Ulfat. Ah, El Jose qui s'est fait mal. Ah, elle s'assoit. Attention, parce que les arbitres n'ont pas vu. Point la numéro 5. Pas pour la réponse, c'est court. Kim au rebond et qui se retourne et qui met deux points. Voilà, sans forcer hein, au niveau des rebonds offensifs. Les déferlantes sont plutôt dominantes. Hop, il y a quelque chose là, non? Ouais, ça va couper à l'intérieur. C'est bien joué, c'est dommage, c'est pas payé parce que c'est super bien joué cette coupe. Venue, hop, poser par les lui parce que sinon on va perdre la balle, ce qui est chose faite. 46 secondes à jouer. Le match va se terminer tranquillement. Alors attention à la bombinette à l'extérieur. Voilà, ça fait un step back. C'est propre, c'est propre. Arzelen, Kim, Arzelen. Est-ce qu'ils vont chercher le petit tir de Rose avec ça là-bas, le poser? Non, ça joue à deux avec Kim. Ah là 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 là, ah, c'est le ballon perdu. Et elle, la 5 qui va se retrouver toute seule pour un petit lay-up. Allez, 10 secondes à jouer. Vina Bumbe. Voilà, fin du match. Fin du match, victoire des Néerlandais.
89-72. Victoire, victoire tranquille, hein, on va dire, hein, des déferlantes sans pour autant forcer leur talent. Elles ont gardé leur avance tranquillement, géré. Bravo pour Écodin pour leur match avec un effectif très réduit, donc, mais elles ont su comme rester concentrées, ne pas laisser le match partir. Bravo à elles et puis bonne continuation pour cette fin de championnat. Allez, on vous souhaite une bonne soirée. Et on se retrouve maintenant, je pense, dans 15 jours, je crois, après les vacances, puisque les jeunes ne jouent pas. Reprise le 10 mars pour les...